Je suis Johnny Chancel Ngamwana, conseiller et membre du secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, président de l'association Johnny Chancel pour les albinos et président du réseau des organisations des personnes atteintes d'albinisme d'Afrique centrale, ROPAC. Bon, je suis une personne qui a beaucoup évolué dans le sens de l'humanitaire. Moi, j'ai fait beaucoup plus de formation, mais je suis communicateur, j'ai fait la communication. Mais j'ai beaucoup plus évolué après, comme tous les autres enfants. Hein, on a commencé, vu que l'albinisme m'intéressait beaucoup, à côté de Salif Keita avec qui j'ai travaillé, donc j'ai appris à travailler vraiment dans l'humanitaire avec Salif Keita et en France aussi, avec l'association Jeune Espoir. Et c'est ce qui m'a poussé, moi, de revenir, de mettre cette association en place. Moi, étant qu'une personne atteinte d'albinisme, j'ai beaucoup souffert. Quand j'étais au Congo, j'ai eu beaucoup de difficultés à réussir, à avancer. Et même quand j'ai quitté le Congo pour des raisons professionnelles, je m'étais dit quelque chose que si jamais je peux, je devrais mettre quelque chose en place pour pouvoir accompagner les autres. Et quand je suis parti dans d'autres pays, j'ai vu qu'au Mali, il y avait des albinos qui étaient organisés par la fondation Salif Keita. À Kinshasa, à côté, il y avait la fondation Mwimba Texas qui existait. En Europe, il y avait l'association Jeune Espoir qui existait en France. Et au Congo, il n'y en avait pas. Et moi, je me suis dit, s'il y a des autres albinos comme moi qui sont au Congo, qui ne savent même pas qu'une personne atteinte d'albinisme doit mettre des crèmes solaires, une personne atteinte d'albinisme doit se protéger du soleil, une personne atteinte d'albinisme doit dormir sur les draps propres, la personne doit s'accepter d'abord avant de se faire accepter par des autres. Il faut sensibiliser aussi les autres personnes qui dénigrent les albinos en pensant que les albinos sont des petits hommes alors que nous sommes des humains, des Congolais à part entière. Et je me suis dit non, il fallait créer une structure qui devait encadrer, organiser, sensibiliser toutes les couches dans les problématiques des personnes atteintes d'albinisme. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Oui, il y a plusieurs préoccupations qui inquiètent l'insertion socio-professionnelle, par exemple. Et sur ça, nous devons remercier le gouvernement parce qu'aujourd'hui, le gouvernement fait des efforts, le gouvernement a réalisé des avancées significatives qui font en sorte qu'à chaque année maintenant, depuis ça c'est la deuxième année, quand il y a les quotas des personnes atteintes d'handicap, les personnes atteintes d'albinisme sont prises en compte. Donc les personnes atteintes d'albinisme sont recrutées dans la fonction publique. C'est une bonne chose. Et nous sommes en train de continuer de battre pour que nous demandons au gouvernement d'élargir un peu. C'est vrai que nous savons que c'est l'innovation, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont prises en compte. Parce que vous savez, par exemple, chez nous aussi, nous avons un peu de privilèges. Parce que au Congo, par exemple, on ne sacrifie pas les albinos, on ne les assassine pas. Quand vous partez en Ouganda, en Tanzanie, au Nairobi, au Malawi, au Kenya, là-bas, les albinos se sont assassinés, tués, décapités, par tout ça par des mythes et des croyances qui sont inutiles et infondées. C'est pour ça que nous profitons de votre micro pour remercier le président de la République et tout son gouvernement de faire en sorte que les minorités soient protégées parce que les personnes atteintes d'albinisme sont une minorité dans notre pays. Et nous n'avons jamais enregistré dans notre association le cas d'enlèvement ou d'assassinat ou de profanation de tombes comme nous entendons dans d'autres pays de la sous-région.
Le but d'abord, c'était d'aider et de promouvoir les capacités intellectuelles des albinos. Aujourd'hui, nous aidons dans le cadre de la santé. Vous allez remarquer que la majorité des albinos résidant sur notre territoire n'ont plus de tâches, n'ont plus de plaies. C'est le travail que l'association fait depuis 13 ans. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a des albinos qui sont en train de rentrer dans la fonction publique. C'est le travail que nous faisons depuis 5 ans. Et aujourd'hui, les objectifs sont, nous avons une clinique. Et comme la crème solaire est un outil indispensable pour les personnes atteintes d'albinisme, nous sommes ici en train de mettre en place une usine de fabrication de crème solaire pour pouvoir mettre à disposition de toutes les albinos de ce pays et d'autres pays de la sous-région la disponibilité des crèmes solaires pour qu'on puisse plus les acheter chères comme nous achetons maintenant. Et aussi, nous servons aussi de conseils. Nous sommes aussi quelque part conseillers. On fait de la pédagogie chez les personnes atteintes d'albinisme qui sont marginalisées, qui sont marquées par les injustices. Nous leur faisons un suivi psychologique, nous leur prodiguons les conseils, nous faisons des accompagnements pour que ces personnes-là puissent pouvoir quand même retrouver leur bien-être et pouvoir s'insérer dans la société. Ce que nous faisons, c'est chaque jour, c'est un travail quotidien. Là, vous êtes venu ici, vous avez remarqué qu'il y avait des animaux. Donc, chaque jour, ils viennent prendre des soins. Et nous faisons en sorte que tous les 90 jours ou 120 jours, nous distribuons des crèmes solaires. Nous faisons des interventions chirurgicales. Nous faisons de la chimiothérapie. Nous distribuons, nous faisons des consultations ophtalmologistes. Et après, nous distribuons des lunettes de lecture gratuitement. Nous distribuons des lunettes de soleil. Nous faisons l'insertion socio-professionnelle la fonction publique. Nous faisons les plaidoyers pour que les droits des personnes de l'albinisme ne soient pas bafoués, mais respectés. Et nous faisons en sorte que la personne de l'albinisme puisse être acceptée dans ce pays comme un citoyen congolais et pas comme un sous-homme. Non, mais nous avons un programme, nous avons plusieurs actions. Là, nous allons descendre sur Pointe-Noire parce qu'il y a beaucoup plus d'albinos qui sont à Pointe-Noire qui se plaignaient un peu sur la priorité que nous avons donnée à Brazzaville. C'est vrai que ces albinos-là viennent ici, mais pas tous. Donc, nous allons essayer de décentraliser un peu les choses. Et nous avons les unes de la fabrication des crèmes solaires que nous allons mettre en place. Nous allons continuer à distribuer des crèmes et faire en sorte que les personnes atteintes d'albinisme, la majorité avec le gouvernement, puissent être intégrées à la fonction publique. Nous allons continuer à faire la prise en charge gratuite. Nous faisons un travail qui n'est pas facile. Nous avons besoin d'accompagnement. Nous tenons aussi à remercier le ministère des Affaires sociales qui a commencé à avoir un regard particulier, qui nous accompagne avec les moyens du possible. Mais nous avons toujours besoin d'aide, vu que nous ne sommes pas subventionnés. Ici, les dépenses sont mensuelles. Donc, tous les mois, il faut payer les médicaments, il faut payer les locaux, il faut payer les médecins qui travaillent ici. Et sans subvention, ce n'est pas évident pour nous. Donc, toutes les personnes qui peuvent nous accompagner, nous sommes là. Le travail que nous faisons est déjà visible. Et comme conseil, c'est demander à toutes les personnes atteintes d'albinisme de s'accepter pour se faire accepter. Et de se rendre compte que c'est des humains d'abord et de prendre le courage d'avancer dans leur projet pour réussir dans la vie. Voilà. Vous remerciez le gouvernement pour la sécurité et le bien-être des Congolais. Remerciez le président de la République pour l'insertion des handicapés, la prise en compte des handicapés dans la fonction publique. Remerciez tous ceux qui nous accompagnent, le ministère des Affaires sociales, le consulat de Samara, l'ambassade de l'Italie, l'ambassade des États-Unis, toutes ces personnes-là qui nous accompagnent d'une manière ou d'une autre, nous les remercions et nous vous remercions aussi d'être venus.